Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui toutes les qualités et les défauts, si peu nombreux, on s'en doute bien, du signe des Gémeaux. En deux mots, comme ça, vite fait. Allez, moi je suis astrologue, ça fait 30 ans que je fais de l'astrologie. J'aime profondément mon truc, il n'y a pas à dire. Je monte tête de tête, c'est vraiment ma passion dans la vie. Et puis avec Olivier, mon ami Olivier, ici présent, on a décidé faire un Moi. truc qui nous plaît, quoi, avec de la vie, etc. Moi, Et je te laisse puis, bosser. ouais, Je me retourne à la on a fait caméra. des vidéos sur les signes, sur les horoscopes, etc. Puis là, aujourd'hui, on s'intéresse aux Gémeaux, parce que c'est son tour. Voilà, c'est le troisième signe dans l'ordre du zodiaque, signe d'air, de printemps, gouverné par Mercure, le mental, l'intelligence. On va voir ce que ça donne. Alors, les qualités, bien évidemment, pour commencer. Le Gémeaux incarne l'intelligence. C'est un endroit où la planète Mercure, qui est l'incarnation du mental, de la capacité à s'adapter, etc., est très, 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 très puissant. Il y a deux endroits où Mercure est au max, max, max de sa puissance, donc l'intelligence est au maximum de son efficacité, c'est en Gémeaux et en Vierge. Ce sont des signes gouvernés par Mercure. Ce sont des cousins, Gémeaux et Vierge. Mais il y a un petit peu la cigale, le printemps, le Gémeaux, et la fourmi, la Vierge, l'automne qui économise ses noisettes. C'est la seule vraie différence. Il y en a un qui est en air, qui est en contact renouvellement, mon Gémeaux, et il y en a un autre qui est dans la terre et dans les habitudes et la routine. Alors que le Gémeaux, il s'en kikine, il a besoin de vivre, il a besoin que ça vibre, il a besoin de renouvellement en permanence, de cultiver cette rapidité intellectuelle qui est sa première marque de fabrique et sa plus forte valeur ajoutée. Alors, intelligent, astucieux, malin, rusé, adaptable, d'une rapidité d'analyse quasi instantanée, d'une réactivité très très au-dessus de la moyenne, le Gémeaux est là une sorte de concentré d'intelligence. Mais attention, c'est une intelligence abstraite parce que c'est un signe d'air, c'est une intelligence à court terme parce que c'est un signe de printemps, et c'est une intelligence qui se lasse très vite parce qu'elle a besoin de matière nouvelle en permanence pour renouveler et pour entretenir cette disposition exceptionnelle à piger des trucs et à les trier dans tous les domaines. Voilà. Donc le mental, l'intellect est un truc super marqué chez les Gémeaux. Ils sont exceptionnellement doués en général sur ce plan-là. Il faut dire que ce que je suis en train de vous raconter, ça concerne la condition solaire. Et bien évidemment, petite subtilité, si pour ceux qui s'intéressent à l'astro, je préfère quand le maître des Gémeaux, qui est Mercure, est aussi dans le signe des Gémeaux. Parce que si on tombe sur un Gémeaux avec Mercure en Taureau, ça peut coller des œillères. Et un Gémeaux avec Mercure en Cancer, ça peut donner des mécanismes un peu défensifs de Gaston Lagaffe qui sont pas top. Donc mon pur Gémeaux, c'est un bonheur sur le plan de l'intelligence. C'est dit. Allez, je continue. Une exceptionnelle force d'adaptation. C'est clair dans tous les domaines. Et ce côté, je m'adapte, je suis astucieux, je suis malin, fait que, il y a un tout petit pendant négatif. Ah, si humble, on va commencer. Ça peut donner un côté roublard, taquin, vendeur de tapis, tout à fait redoutable. Certains se méfient de ce que racontent les Gémeaux, qui sont des beaux parleurs. Ils ont une fluidité, une capacité à communiquer, à défendre une théorie et son contraire avec la même aisance. Ce qui fait qu'on se dit, quand est-ce qu'un Gémeau va nous mentir? À quoi on reconnaît un Gémeau qui va nous mentir? Certains, les taquins, disent dès qu'il ouvre la bouche. Voilà, c'est un point de vue. Taquinerie aussi, hein, tac-tac, comme ça. Il y a un film que j'adore qui s'appelle Ridicule. C'est un film de Patrice Lecomte qui a une vingtaine d'années maintenant. Et dans ce film, Bernard Giraudot joue le rôle d'un ecclésiastique qui est très bien en cour auprès du roi et qui, devant le roi, fait un laïus en expliquant, avec un brillant orateur qu'il est, l'existence de Dieu. Il fait ça avec une maestria, ce qui fait que tout le monde applaudit, levé, etc. Le roi, une magnifique démonstration d'intelligence communicative. Et il termine son laïus en disant, s'il plaît à sa majesté, je peux démontrer dès demain exactement le contraire. Quel ballot! C'est un des problèmes des Gémeaux, c'est qu'à un moment, il faut qu'il se taise. Il y a un moment, il faut qu'ils lâchent, qu'ils s'écrasent, quoi, parce qu'ils ont une capacité à défendre une théorie de son contraire avec la même facilité, ce qui fait qu'on se méfie à la longue de la sincérité de leur discours. Trop intelligent pour être honnête, dit le proverbe. Bref, tout ça pour dire que mon Gémeaux, il a de l'humour, il est adaptable, mais cette même adaptabilité a son revers.
c'est l'instabilité. Qui dit adaptable, besoin de renouvellement, dit instabilité. C'est-à-dire qu'il peut vivre 10 vies en une, lui aussi, un peu comme le bélier. Il a besoin sans arrêt de nouveautés. Nouveautés sur tous les plans, sur le plan relationnel, et puis parfois un peu sur le plan affectif. On va y venir tout à l'heure, je vous le garde pour la fin, c'est pour la bonne bouche, ça. L'affectif et les gémeaux, c'est du costaud. J'aime leur humour. Ils ont un exceptionnel talent pour trouver les formules qui font rire, qui font mouche, qui rentrent dans l'oreille, qui jonglent. L'humour chez les Gémeaux, c'est du concentré de bonheur, de bonne humeur, de joie de vivre. Il faut les encourager, et puis bien évidemment, plus on rigole, plus ils en rajoutent que du bonheur. Donc, j'aime leur jeunesse d'esprit. Mais cette jeunesse d'esprit qui fait qu'on s'ennuie jamais avec un Gémeau, elle a aussi son pendant négatif. Ce sont d'éternels ados immatures, qui, au moins jusqu'à la quarantaine, sont des grands gamins, avec 10, 15 ans en retard par rapport à l'horloge biologique. Faut avoir ça en tête, quoi. Un Gémeau, il devient mature à partir de la quarantaine. Avant, c'est un ado qui reste un ado tout le temps, comme ça, avec des joies simples, de la rigolade, vision à court terme, il se disperse, etc. C'est le point faible qui va avec le pendant positif. Donc très adaptable, jeunesse d'esprit, mais éternel ado. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il est curieux. Ah, qu'est-ce qu'il est curieux, mon Gémeau ? Ben, c'est l'essence même de l'intelligence, la curiosité. Il est tellement curieux que parfois, il se mêle de tout. C'est-à-dire qu'il a un avis sur tout, il va vous dire ce que vous dépensez, il se mêle de tout, il est dans toutes les conversations, il commence, il termine, pour remplacer une, il faut se lever de bonne heure. Il faut essayer de lui dire, attends, moi aussi, j'ai le droit d'avoir un avis, une idée, une hypothèse peut-être, voilà, quand t'auras fini, je pourrai remplacer une. Parfois ça dure 2 heures, les monologues c'est épouvantable. Ils ne sont pas tous comme ça, mais quand ils sont comme ça, c'est redoutable, ils envahissent tout l'espace. Matin, midi et soir, moulin à parole, un enfer pour les autres. On est obligé de mettre des œillères et des trucs sur les oreilles parce que c'est pas possible. On sature sinon. Plus sociable que le Gémeaux, on va avoir du mal à trouver. Cette capacité à créer des contacts, du lien, d'être sympa, agréable, positif, même si on sait que structurellement, le premier lien qui se fait aux autres, c'est par le principe du système de l'ascendant, qui crée des liens, c'est cette disposition éducative qui fait qu'on est ouvert à l'échange. Il n'empêche que ma condition solaire Gémeaux, mon Gémeaux, il est par essence un modèle d'échange, de fluidité, de communication et de sociabilité. Cette même disposition d'une extrême facilité, d'une grande, grande qualité, fait qu'il peut rencontrer 10 personnes par jour. Le problème, c'est que c'est comme Alzheimer. Le lendemain, il a déjà oublié qu'il avait rencontré la veille, et il faut qu'il redémarre tout. Donc il fait des découvertes tout le temps, il s'ennuie jamais, il découvre des nouvelles personnes, parfois on lui dit « mais on s'est rencontrés il y a 2 ans », il dit « ah bon ?» Alors on dit « oui, dit-il », parce qu'il s'adapte comme un caméléon, mais il a complètement zappé tout ce qu'il y avait eu avant. C'est comme la mémoire vive d'un ordinateur, on appelle ça, je crois, la mémoire flash. C'est-à-dire que le soir, mon Gémeaux, quand il éteint la lumière, quand il éteint l'ordinateur, tout ce qu'il a vécu, ça part à la couche. Voilà. Enfin, pas tout, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il se disperse énormément, ce qui fait qu'il est obligé de faire du tri, hein. Il y a un moment où la mémoire dure, elle sature. Il joue avec les mots. Ah là là, le roi du calembour, le calembour c'est fini, mais le roi de la blague, de la vanne, du truc rigolo, son plus grand plaisir, c'est d'avoir les oreilles des autres, d'avoir ce qu'on appelle les rieurs de son côté. Le Gémeaux qui a les rieurs de son côté, il prend une assurance, mais incomparable. Le problème, c'est que pour avoir les rieurs de son côté, notre Gémeaux, il est capable d'envoyer des vacheries, mais des horreurs. Il peut être un taquin, et puis il peut être une vraie peau de vache, alors que lui, en revanche, ne supporte pas la moindre remarque et la moindre taquinerie de concernant. C'est intéressant. De la même façon, sur le plan affectif, il peut être d'une jalousie, d'une possessivité, d'une exclusivité permanente. En revanche, lui, il va s'autoriser toutes les galopades, tous les écarts, tous les numéros de charme. Mais c'est comme ça, ça fait partie de son tempérament. Là, on était sur les hommes. Alors, si on s'intéresse maintenant à mes Gémeaux femmes, les Gémeaux femmes, c'est déjà nettement plus nuancé. J'adore leur finesse d'esprit, j'adore leur sens de l'observation, leur besoin de communiquer sur tous les plans, leur disponibilité psychique, leur adaptation à l'autre, leur bonne volonté active pour faire en sorte que ça se passe bien. Souvent, elles s'oublient dans la relation.
Je l'ai vu fréquemment. Mes femmes Gémeaux jeunes vont être attirées, et c'est le piège, il y a un piège à CON pour elles, c'est qu'elles sont quasiment toutes attirées par des tempéraments forts et dominants. Oh, ça les bluffe. N'oublions pas que les enfants de Mercure, Gémeaux notamment, Gémeaux Vierge, sont des profils qu'on appelle satellites. Satellite, ça veut dire que quand on regarde le système solaire, j'ai mon Soleil, autour du Soleil, il y a Mercure. Mercure est un satellite du Soleil, finalement, quand on regarde. Donc nous, Mercuriens, moi je suis de la Vierge, je suis un autre Mercurien, on est attiré naturellement vers les personnalités plus puissantes, les personnalités plus solaires. Seulement on risque, surtout jeune, de se faire croquer, parce que le Soleil, il aspire toute l'énergie à la lumière. Et mes femmes Gémeaux, quand elles sont jeunes, quand elles voient un fort tempérament, une forte personnalité, elles se disent oh, « qu'il est brillant, qu'il est beau, qu'il me bluffe, que je suis admirative, c'est exactement ce qu'il me faut. » Donc elles s'adaptent. Et comme elles s'adaptent, elles font tout pour faire plaisir à l'autre. Et en faisant tout pour faire plaisir à l'autre, le temps passe. Et puis à un moment, elles se disent mais c'est toujours moi qui m'adapte à l'autre. Quand est-ce qu'il s'adapte à moi un petit peu en retour ? Et puis là, il tombe des nues, parce que celui qui est central, il dit « Mais attends, depuis toujours on fonctionne comme ça. » Pourquoi tu voudrais que je change? J'ai toujours été dominante, t'as toujours dit amen, t'as toujours tout avalé. On va pas changer maintenant, c'est inimaginable, tu sais que c'est, y a tricherie sur la marchandise. Et notre mercurienne, elle se dit, mais il s'est foutu de moi, en fait, il a bouffé toute la place, et puis moi je me retrouve rien en retour. Donc, quand elles grandissent, mes femmes Gémeaux, quand elles arrivent à la quarantaine, l'âge de la maturité, elles se disent, je vais arrêter de courir après les profils dominants. Parce qu'en courant après les profils dominants, je vais me casser les dents, ça arrive. Et donc, il faut qu'on change de registre et qu'on cherche des profils communicants. Des profils dans la gentillesse, dans la souplesse, dans l'arrondi, etc. C'est un truc qui marche très bien. Je vous le conseille sur le plan amoureux. Mais Gémeaux, femme, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, je reprends mon fil conducteur. Alors, beaucoup d'énergie chez Gémeaux, beaucoup d'énergie, mais ça engendre aussi beaucoup de nervosité et de fatigue nerveuse. Un ressort chez mes Gémeaux qui est très perméable, c'est qu'ils sont capables de se concentrer sur 10 sujets en 2 heures, mais au bout d'un certain temps, quelques heures, il faut vraiment qu'ils débranchent, il faut vraiment qu'ils fassent une pause. C'est le principe du mercure, je ne sais pas ceux qui ont joué au flipper lorsqu'ils étaient ados, il y avait des systèmes de mercure qui montaient, quand vous lui colliez des claques, ça montait, d'un seul boutique, ça tiltait. C'est pareil pour les Gémeaux. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas arriver jusqu'au système de saturation, sinon il nous pète un câble, et il hurle sur tout ce qui bouge, et c'est un démon qui surgit, mais pas tout simplement parce qu'ils sont fatigués. Donc ils fatiguent vite, mais ils récupèrent vite. Il faut lâcher. Très 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 important avec les Gémeaux, ils ont un mal de chien avec la critique. La critique, c'est le principe du ping-pong. Et comment avoir des relations très compliquées avec les Gémeaux, c'est rentrer dans la spirale des reproches réciproques. Si vous lui dites « t'as pas rangé tes chaussettes », il va ranger ses chaussettes, et puis pendant 15 jours, il va repérer ce que vous n'avez pas fait de bien. Et il va dire « ben oui, mais toi, t'as pas rangé tes caleçons ». Et on met en place une dynamique de spirale de critique dans laquelle, après, pour s'en sortir, c'est une catastrophe, une horreur. Donc le mieux, quand on a affaire à un Gémeau, et quand on est soi-même Gémeau, c'est d'éviter l'esprit critique. De la même façon, l'esprit critique, c'est le Gémeau, c'est tout simplement ce sens de l'observation qui est extrêmement aigu, et qui fait qu'on attrape des informations partout au vol, etc., dans tous les sens, et que, comme il y a toujours cette recherche d'oreille, et de curiosité, et de communication et d'échange, si on en trouve, si on en fait un mot d'esprit, une taquinerie, une blague, etc., mon Gémeau, il se jette dessus, et il envoie la sauce, et il envoie sa lâcherie, mais comme il ne voit pas plus loin que le bout de son nez en bon signe de printemps qu'il est, il ne se rend pas compte des dégâts qu'il ou elle fait dans l'oreille de celui qui est en face et qui se prend la vacherie en volée de bois vert. Donc sans s'en rendre compte, mes Gémeaux, hein, que ce soit homme ou femme, vous avez l'art de vous créer des profils en face qui vont vous regarder en se disant « Ouh là là, toi tu m'as envoyé une vacherie, attends, au premier virage, tu vas en prendre plein ton grade. » Ce qui fait que mes Gémeaux, avec leur vue courte, peuvent évoluer dans la vie, puis d'un seul coup, il y a un truc, quelqu'un qui leur tombe dessus, une vacherie qui arrive, un machin, un pan, pan, et puis on ne le voit pas venir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris assez en compte
le fait que taquiner Pierre, Paul ou Jacques, ben, taquiner Pierre, Paul ou Jacques, on réveille parfois des paranos, on réveille parfois des inquiétudes profondes, des peurs, etc. Et que vous risquez de vous en faire des ennemis à vie. Et ça, si je dois vous donner un conseil majeur pour mes Gémeaux, c'est apprenez à la boucler, apprenez à la fermer, votre grande bouche, parce que c'est une catastrophe. Alors, on adore votre intelligence, votre esprit, mais quand vous partez sur des spirales où pendant une demi-plombe, on doit se taper un monologue sur la grand-mère qui a oublié ses chaussettes, pitié, pitié, taisez-vous. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Et là, ça se passera super et on vous adorera parce que vous ne méritez que ça. On vous apprécie grâce à vos qualités de gentillesse, d'intelligence et d'adaptation qui, elles, sont formidables. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué ? Il y a un côté troubadour parce que ça va avec. Alors, le côté troubadour, c'est besoin de faire le clown. Le Gémeaux, c'est le clown par essence. Parfois, surtout chez les garçons. Il y a un côté vendeur de tapis qui est un peu limite quand même. Donc, attention à ce qu'on énonce, parce que certains ont de la mémoire, comme on dit. En parlant trop vite, vous risquez d'avoir des effets secondaires un peu nocifs, un peu dans l'esprit de ce que je disais avant, à savoir, les autres n'oublient pas ce que vous avez oublié, vous, du jour au lendemain. Linéarité dans le discours, très important. Les relations à l'argent. Les relations à l'argent, chez mon Gémeaux, l'argent, c'est un véhicule, c'est un carburant, il s'en balance comme de l'an 40, les sous c'est fait pour circuler, c'est pas du tout quelqu'un qui thésaurise. Je parle des purs Gémeaux. Bien évidemment, s'il y a des planètes en taureau, je vais pas reboucler sur ma philosophie sur les taureaux et les rapports à la situation concrète, mais parfois il y a des proximités avec les signes, ça peut jouer. Mais sinon, dans l'absolu, mon Gémeaux, l'argent il s'en fiche, quoi. C'est un carburant, ça rentre, ça sort, c'est fait pour circuler, ça rentre dans une poche, ça ressort par l'autre. Il y a un côté cigale, on vit l'instant présent, on est à mort dans l'instant présent. Or, on sait à l'usage que les profils les plus heureux ne sont pas ceux qui vivent dans le passé, c'est l'horreur, c'est mort, le passé, on ne reviendra pas dessus, ne sont pas ceux qui vivent dans l'avenir, parce que l'avenir, il est toujours incertain, même avec les meilleures prévisions de la Terre, il y a toujours des variables, hein. On peut avoir le plus beau ciel de la Terre, mais si on traverse une grosse avenue sans regarder, on risque quand même de se faire écraser, il y aurait le beau ciel, mais on sera fait écraser quand même, on n'y peut rien, il y a des imparables. J'ai remarqué ça avec les avions. Quand un avion s'écrase et qu'il y a 300 personnes qui y passent d'un coup, c'est une catastrophe, bien évidemment. Mais tous les ciels astrologiques à ce moment-là, il y en a au moins un tiers qui avait des beaux aspects, un tiers des aspects neutres et un tiers des aspects pas bons, mais tout le monde y passe. Ce sont les impondérables. Les astres invitent, incitent, mais ne déterminent pas jamais de façon définitive. C'est clair, il faut toujours avoir ça en tête. Ce n'est qu'un courant d'influence. Bref, la légèreté des Gémeaux sont des vrais cigales. C'est là où je voulais en venir. C'est un peu laborieux, mais j'y arrive. Ce sont des cigales. C'est-à-dire que pendant tout l'été, on chante, on danse, etc. On claque tout son blé et arrive la morte saison. Et quand la bise fut venue, comme nous disait Jean de La Fontaine, ben, il ne reste pas grand-chose. On va taper chez la fourmi. C'est pas grave. Le lendemain, le printemps, il faut tenir jusqu'au printemps prochain. Et on va recréer de nouvelles vies. Et un truc assez extraordinaire. Parce que ce qui est merveilleux chez le Gémeaux, c'est que demain est un autre jour, qu'on redémarre avec toute cette force de vie, d'espoir, d'espérance, d'optimisme, de positif, qui fait que hop, on est parti de nouveau et de plus belle. C'est Jean d'Ormesson qui avait écrit quelque chose de tout à fait délicieux sur les Gémeaux. En fait, c'est pas, il était Gémeaux, bien évidemment, mais son approche de mémoire, c'était quelque chose du genre j'adore le matin, j'adore le printemps, j'adore l'aurore, parce que c'est une nouvelle vie qui s'éveille, de nouvelles idées, de nouveaux projets, la vie redémarre dans son ensemble. Et cette force de vie, c'est vraiment ça les Gémeaux pour moi. Force de vie assez extraordinaire, assez exceptionnelle. Allez, un petit clin d'œil sur la vie affective avec les Gémeaux, pour conclure cette longue liste ininterrompue de qualités que vous avez pu constater, remarquer, vous qui connaissez un peu les Gémeaux, qui l'êtes vous-même. Je n'ai jamais, de tout ce que j'ai vu, de tous des milliers de cas, c'est ma passion, je n'ai jamais vu aussi coureur et cavaleur que le Gémeaux. C'est une sorte de record du monde du genre. C'est à croire que le signe, surtout chez les hommes, chez les femmes, elles sont beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus apaisées. Elles cherchent un homme solide, qui les rassure, qui soit fort. On l'a vu, faites gaffe, pas trop fort, sinon ils bouffent tout. Je reviens un peu là-dessus. Mais chez les mecs,
incroyable. On croirait qu'ils ont un muscle et deux cerveaux, et qu'il n'y a que ça dans le crâne, et que matin, midi et soir, ils pensent qu'à ça. J'en ai eu en réunion de formation, les types, ils me disent « Ah bah attends, j'en ai eu une hier soir, j'en ai une qui m'attend ce soir, et j'en ai une autre qui m'attend demain. » Ils m'ont pourri mes relations à la ramener sur des conneries. C'est un enfer. Mais il n'empêche que ce sont des séducteurs formidablement attachants. Faut pas toujours trop s'attacher quand ils sont déjà engagés, il faut être sûr de ça, parce qu'ils nous baratinent extraordinairement bien. Mesdames, je préfère ce signe chez les femmes, où j'y trouve un écho, une intelligence, une réceptivité, une fraîcheur d'esprit, une intelligence des choses qui est extraordinaire. Voilà, on s'ennuie jamais avec un Gémeau. Moi, c'est un signe que j'adore. Qu'ils soient dépensiers, coureurs, pas stables, baratineurs, ben, ça fait partie de leur charme. Mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont aussi. Et du coup, avec quel signe il fonctionnerait bien? Avec moi, par exemple? Ah oui, avec le lion. Alors, ça marche divinement bien avec le lion. Alors, mais c'est le piège à con, attention. Hein, mais pardon. Mais nos Gémeaux sont attirés par des tempéraments forts. Alors, avec qui sont-ils, matchent-ils idéalement au départ? Les béliers, parce qu'ils sont des forts tempéraments. Les autres Gémeaux, on est quatre dans la maison, c'est signe double, c'est drôle, on s'ennuie pas, mais bon, parfois ça dure pas longtemps. Mais lion, alors le lion, lui, c'est un modèle de stabilité, ça marche bien avec le lion, mais il faut bien négocier dès le départ que chacun ait son espace, parce que le lion, lui, c'est un vrai solaire, c'est un vrai central. Donc, il faut négocier tout de suite l'espace de chacun, sinon il va occuper l'espace, et puis vous allez vous adapter. Donc, si on a envie que ça dure, parce que ça peut marcher très fort et longtemps avec le lion, Gémeaux lion, j'adore cette combinaison, il faut bien tout négocier le plus vite possible. Et là, ça marche. Ça marche bien aussi avec la Vierge. Voilà. Un Gémeau et une Vierge ensemble, dans le genre esprit critique, c'est des heures et des heures de rigolade. Un peu trop critique peut-être, mais bon. Mais c'est le seul danger Gémeaux Vierge, c'est de rentrer dans cette fameuse spirale des reproches réciproques. Ça, c'est mort. Alors là, on arrête tout de suite. Gémeaux Balance, ah, c'est beau. Alors là, c'est de l'amour, c'est éthéré, des romantiques, des poèmes. Extrêmement intéressant. Il n'y en a aucun des deux qui se dessine. Aucun des deux n'est dominant. Gémeaux Scorpion, alors là, au niveau du Max Tagada, c'est la passion. Il n'y a pas d'autre mot, on va le dire comme ça. Gémeaux Sagittaire, pour les amoureux du sac à dos, puis on se barre faire le tour du monde, ou au moins le tour du quartier, minimum, trois fois par jour. Gémeaux Capricorne. Gémeaux Capricorne, c'est intéressant. C'est intéressant sur le plan purement intellectuel. Pour le reste, c'est pas la plus belle combinaison. Mon Gémeaux, il s'enquiquine très très vite avec le Capricorne. Le Capricorne, dans la série, formidablement fiable, mais tout aussi formidablement psychorigide, ça crée des tensions. C'est pas facile. Mais sur le plan intellectuel et fiabilité, c'est pas mal. Gémeaux Verseau, c'est celui qui sera le premier à la porte avec son sac à dos pour se barrer, pour aller faire des balades, voir des copains, etc. Mais jamais à la maison, mais quelle vie d'amis formidable. Et Gémeaux Poisson, ça marche pas mal, ce sont deux gentils en fait. Et deux gentils sont des combinaisons qui fonctionnent pas trop mal. Pas trop mal. J'ai oublié Gémeaux Taureau. C'est pas le plus facile, parce que mon taureau il est quand même assez dans ses habitudes, dans ses rituels, et mon Gémeaux il a besoin de renouveler, d'avoir de la vie. Voilà, c'est tout. Je crois que j'en ai pas oublié dans les combinaisons. Si j'ai oublié, vous me faites un petit coucou, hein, comme d'habitude, voilà. Je vous dis à très bientôt. On a fait toutes les qualités des Gémeaux. Il y a un truc qui nous fait vachement plaisir avec Olivier, c'est vos likes. Ça, si vous voulez vraiment nous faire plaisir, vous me faites un petit like, un petit abonnement, comme ça. On adore. Olivier, une remarque? Tu veux intervenir? Ouais, juste hop, c'est plus agréable de montrer ma tête quand je vous parle. Je vais vous mettre quelque part là, je sais pas où, un lien vers les autres signes, parce que j'imagine que, à moins que tu me dises le contraire, il y a à apprendre dans tous les signes. Oui, mais surtout, là je suis sur le signe solaire, mais alors oubliez, ça peut marcher aussi pour la Lune. Là, si vous savez que vous avez la Lune Bélier, Taureau, Gémeaux, machin, c'est des ressorts qui fonctionnent au niveau profond. Et puis sur l'ascendant, oubliez pas que l'ascendant, c'est l'image que vous donnez de vous. Donc vous regardez un autre signe pour l'ascendant, avec en tête le réflexe de dire c'est l'image que je donne de moi. Voilà, tout simple. C'est bon? On va chacun regarder trois signes alors. Le signe qui correspond à notre ascendant, le signe qui correspond à notre signe solaire de l'horoscope, celui qu'on vient de faire là, et puis le signe qui correspond à notre lune. Comme ça, on a Mais comment on connaît le signe qui correspond à notre lune? On peut le taper, vous tapez votre carte du ciel sur Google, et puis elle va afficher, et puis vous saurez où est votre ascendant, où est votre soleil, où est votre lune. Ou alors sinon, à terme, on va en mettre un en ligne, et puis à ce moment-là, vous passerez par nous pour avoir le vrai calcul. Pour l'instant, il y a plein de trucs gratuits. Donc, quand c'est gratuit, il faut prendre pour calculer où est le soleil, où est la lune, où est l'ascendant. Si vous ramenez ça,
on va pouvoir se raconter des trucs. On se dit à bientôt. Ciao, 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 ciao.